on va avoir hâte de se revoir, on va chercher des occasions de se revoir, et le Festival des Arts pour sa 18e édition sera un événement incontournable. Le Parc Delphin-Sauvé accueillera les 30 et 31 juillet prochains la 18e édition du Festival des Arts visuels de la ville de Salaberry-de-Valleyfield. Une soixantaine d'artistes installés dans des chapiteaux blancs sur la plaine au bas de la montagne. Alors, un événement où toute la luminosité des œuvres va être mise en évidence par l'éclairage de notre soleil, par la présence de la baie de l'eau qui donne un cachet tout à fait fantastique à cet événement. C'est aussi combiné pour une tradition avec l'Allée des saveurs, où une quinzaine de producteurs agro vont vous faire découvrir leurs spécialités. C'est l'artiste Monica Brinkman qui assurera la présidence d'honneur de l'édition 2022, laquelle se tiendra sous la thématique « Tout est mosaïque ». Moi, j'adore vraiment les arts qui sont plus les métiers d'art. J'aime vraiment toucher les morceaux. Alors, c'est pour ça que j'aime bien la mosaïque. J'ai fait beaucoup de courtes pointes, du vitrail, la céramique. J'aime bien, je suis très, très tactile. J'adore l'être humain. Je suis vraiment inspirée par l'environnement, les relations humaines, l'histoire. Un peu de tout m'inspire beaucoup. Et je suis toujours en train d'essayer de me connaître de plus en plus à travers mon art. Alors, c'est vraiment une façon pour une genre de méditation, une découverte de soi. Alors, ça fait partie de mon quotidien. C'est comme manger. Moi, j'ai besoin de créer, alors... En fait, ce qu'on essaie de faire depuis plusieurs années... Le Festival des Arts pourrait être un événement où vous voyez des artistes qui reviennent année après année, mais sans y donner une couleur particulière. Nous, ce qu'on fait, c'est que le festival aligne une bonne partie de toute sa promotion puis de son look, le visuel, sur la personnalité artistique de notre présidence d'honneur. Donc, cette année, c'est de la mosaïque. Alors, on va demander aux artistes qui sont intéressés à créer des œuvres en lien avec la mosaïque, ce qui constitue pour eux un défi au niveau d'une démarche personnelle. Ces œuvres-là sont exposées à l'intérieur du chalet et on aménage, on décore en fonction de... C'est qu'on ne vous dit pas encore qu'est-ce qui va se passer. Puis naturellement, on a des ateliers pour le grand public en lien avec cette thématique-là. Donc, comment on va faire découvrir la mosaïque aux citoyens? Ça va être quand même assez intéressant. Dans les chapiteaux, c'est plus la production régulière des artistes que l'on retrouve. Artistes, vous avez jusqu'au 28 mars pour vous inscrire. Sachez que seulement 60 places sont disponibles. La philosophie du festival, c'est pas nécessairement de faire du volume. On pourrait facilement aller à 100 artistes comme d'autres symposiums, 100, 120 artistes. Mais nous, ce qu'on privilégie, c'est un événement à grandeur humaine où les artistes vont être mis en évidence, où il n'y en aura pas trop, ce qui va permettre aux citoyens de vraiment faire le tour. Parce qu'il faut mentionner que le Festival des Arts est un événement où l'on vend beaucoup, les artistes vendent beaucoup de toiles. Puis pour nous, c'est important, cet aspect-là, de leur permettre de, finalement, c'est leur gagne-pain, donc de vendre leurs œuvres, puis poursuivre leur démarche artistique par la suite.